Bienvenue à toutes et à tous les amis, nous nous retrouvons sur l'île mystérieuse en compagnie de Farage. Youhou ! Salut ! On saute dans le nether ! Non. Donc on va continuer nos aventures dans le nether, maintenant que... Cette poisse n'est plus là-bas. Non, mais c'était pas une poisse en fait, comme je vous l'ai dit, quand on appuyait sur la trappe là-bas, ça faisait sortir des boules de feu partout, et en plus ça faisait brûler toute la zone là, donc il y avait trop de trucs affichés à l'écran, et le serveur il a pas supporté, il crachait. Même nous, on le supportait même plus. S'il y avait qu'un seul joueur, ça marchait, mais si on était deux, ça crachait. Donc de toute façon, c'est pas grave, on a récupéré une épée que j'ai sur moi qui est pas terrible. Hein. Tiens, elle fait châtiment 10 en fait. Ouais, châtiment 10. C'est pas énorme. Mais aujourd'hui, je suis déjà full stuff donc. On peut faire. Moi, j'ai posé quelques trucs dans un coffre parce que j'en avais marre. Ouais, mais on sait jamais. On sait jamais. Donc là, on peut faire le donjon qui est là, la chambre de l'enfer. Mais il nous restera après le boss. Je sais pas trop quoi. Enfin, on a 3 étoiles à trouver ici. Et on en a déjà une. Attends, non, on en a déjà une. Non, on a rien, moi j'ai rien. On n'a pas récupéré. Non, je crois pas. Hein. Ah. Non, attends, il y a trop. Non, il y a 4 étoiles à trouver ici. Il y a 4, il y a 4 parce qu'il y a aussi le. Et le palais de glace. Le palais de glace, voilà. Exact, exact. Et d'ailleurs, là j'ai l'impression. Je sais pas, regarde là où je regarde. Il y a une espèce de faisceau lumineux, c'est peut-être un truc, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a lancé une flèche. Ouais, j'ai vu. Bon, viens, allons dans la chambre de l'enfer. Attention des araignées. Toum. Oui. Putain, puis il y en a pas mal hein. Ah la tchac, le combat. Ah, des araignées empoisonnées, fuck. Fuck that shit. Heureusement que j'ai une bonne armure qui me permet de résister pas mal au poison. Ah ouais, c'est un dropper. Il y a un dropper encore. Bah là, il y en aura plus hein. Y a plus, attends, on va vérifier qu'il y a plus rien. Non, c'est bon. Alors, eh ben voilà, c'était la chambre de l'enfer, j'ai l'étoile du Nether. Nice. 3 pépites d'or et un bâton de Blaze recul 10 aura de feu 1. Ah, comme j'avais perdu dans une aventure. Ah ouais, tiens d'ailleurs, Warrior. Oui. Du coup, c'est pour moi. T'avais appuyé sur le levier là? Non. Non? Alors attends. Voilà, je sais pas ce que ça a fait. Donc tiens, du coup, tu en seras responsable et ne le perds pas cette fois et tu n'as plus de plastron. Oui, je vais le jeter dans un feu. Alors par contre, attends, mais je sais pas si... Quand tu es arrivé, le levier il était en position baissée. Ouais, là, Bonne question. Je crois que là c'est ouvert. Je crois, oui. Ça a donné l'impression que ça a ouvert quelque chose, mais alors quoi et où surtout? Peut-être là, non, dans le coin, y a pas... C'était pas un passage... Bah écoute, on va réexplorer, mais... Ou alors si ça se trouve c'est derrière, tu sais. Je ne sais pas. Là y a rien. Là rien non plus. Non, bah alors y a. Bah ça a dû ouvrir quelque chose, hein, mais. Quoi, on ne sait pas. Ouais, quoi, on ne sait pas. Là, ça devrait être dans les alentours quand même. C'est pas hyper loin, j'espère pas. Je pense pas. Attends, on avait été là-haut. Il y a de fortes chances. Il y a une échelle, je me rappelle plus. Ah, si, je crois. Si, il y avait un coffre, on l'a récupéré. Si, on a été là. Ah, j'ai fait tomber. Si. Alors, attends, où est-ce que c'est qu'on n'a pas été? Voyons. Donc, on est arrivé de par là, ce qui veut dire que là, on revient en arrière. Ah, oui, non. Pardon. Là, on revient en arrière. Ouais, ah. Ah bah si, ça c'est... Oui, si. C'est donc... la salle où on s'en est pris plein la gueule et que ça a commencé à crash. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Help. Ah, on a été là? Regarde là. Ah, là c'est fermé. Mais ça, c'était ouvert? Eh, bah, ça vient de se fermer devant moi. T'as bah moi ah, attends. Appuie sur le bouton. Là, c'est ouvert, c'est bon, viens. C'est bon. Ok, on avait pété. Ah, d'accord, c'est juste des bonus. Des flèches, des émeraudes et des pépites. Bah, les flèches, j'en ai pas mal, hein, donc si tu veux les prendre, prends-les. Hein. Ok, donc c'était pas ça. C'était pas ça. Et nous sommes enfermés. Alors attends, y a pas quelque chose. Ah, regarde, le bloc au sol, il est différent là. Ah non, c'était un bug de lumière, autant pour moi. C'était un bug de lumière. Je vais juste regarder là derrière. Je crois qu'en fait, il aurait dû avoir qu'une personne. Bah non mais attends, on peut les casser les blocs là.
Tant pis. Hein. Voilà, mais c'est bizarre. Bon, donc c'est pas là en tout cas. Alors, je jette tout ce qui me sert à rien. Pourquoi j'ai une pancarte? Va savoir. Des ficelles, je jette. Des ici, on a. J'ai pas, la... j'ai pas l'impression qu'on a exploré. Où ça? Donation. Oh là. Où ça? Où ça? Où ça? Où je suis? Attends. Alors. Effectivement, c'est pas éclairé. Là. Ouais, regarde, là il y a écrit donation. J'ai pas encore visité le tout. Et qu'est-ce qu'on fait comme donation? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on. Je sais pas, faut certainement vérifier. Il va certainement attends, y avoir. Il y a des escaliers à côté. Il y a un spawner. Donc. Ah, donc on n'a pas été. Allez, toi ah, tu meurs. Il y a un under chest là. Donc je vais poser. Attends, l'étoile. Ça c'est quoi? Stromper? Je vais poser la bannière. Stromper, ça veut dire quoi? Stomper. Je sais pas. Je pose un bon, écoute. Ah, je crois que je vais me faire écrabouiller. Alors attends, moi j'ai trouvé une nouvelle zone, effectivement, une zone qu'on n'avait pas encore visitée. Ah bah moi je vais me faire écraser. Oula, oula, oula. Ok. Ah. Alors, jambière en diamant. Donc protection allez voir sur 4. Hein, si vous voulez voir ce qu'il fait. Pendant protection temps, 4. Moi effectivement j'ai trouvé une autre zone. Donc la chambre de l'enfer, je suis déçu, je m'attendais à mieux quand même. C'était très compliqué quand même. Oh là, ça wow. Sent le piège ici. Ça sent le piège à plein nez. Alors, un plastron en diamant, protection 2. Des potions de poison jetables, on s'en fout. Pas de piège, visiblement. J'entends des blocs de commandes qui s'activent depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est là où je suis. D'accord. Alors, moi je suis. Oula, oula, oula. Attends, là, je suis tellement ébloui. Voilà, on va se mettre là, on voit mieux. Par contre, je vois. La personne qui l'a fait, il était écrit dessus. Parce que là, il y a écrit Enderman. Oui, c'est le nom de la map, Enderman. Ok. Alors, attends, là, je suis dans une autre zone. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Metalworks. Alors, attends, avant d'aller dans le Metalworks... Oh, putain, ça sent le boss, ça. Ça sent le boss. Regardez, ça ressemble à un visage. Et là, il y a un coffre au milieu. Ah non, on a déjà été, là. Non. On a déjà été. On a déjà pris le coffre qui est là. Alors... Où est-ce que... Oh là 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 là. Bon, alors, avant d'aller explorer plus loin... On va aller au Metalworks. Tu t'as trouvé où je suis? Attends, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un bâton du Nether. Je vois ton pseudo, mais... Non, mais c'est comme je vois qu'il y a le bâton du... Enfin, il y a le coffre du Nether. Ouais, oui, c'est par là. C'est pour ça que je préfère mettre un peu de nourriture de côté. Une épreuve de saut. Alors, deux torches, des pommes, un lingot de fer, des émeraudes. Donc, je prends. J'éclaire un petit coup. Là, nous avons quoi? Ouais. Encore un chemin qui continue. Et un autre chemin ici. Oh là 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 là. Oh. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas visité là. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière les tableaux? Non. Non plus. Et ici peut-être? Non plus. Ok. Alors. Je vais aller voir le Metal Workshop qui était là-bas. C'est à droite, voilà. Alors, Metal Workshop, voyons. Tac, tac, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas un truc en haut, t'as été en haut? Ouais, j'ai pas tout pu visiter, il y a plein de trucs en fait. Goleminator. D'accord. Là, il y a plein de trucs. Il y a des magma cream qui spawnent. Et moi, j'ai vu une araignée, donc... Bon, des œufs. Des lingots de fer. Ouais. Ah ouais, pas mal. Est-ce qu'il faudrait pas créer un... Un golem, tiens donc. 2, 4, 6. Ah ouais, non, mais là vous me pourrissez en fait, monde de salaud. T'as activé quelque chose, Warrior? Non, non. La machine vient de s'activer toute seule alors. Ah non, non, j'ai rien activé, mais j'ai des personnes qui me collent au cul. Merde. Ok. Goleminator. Mais meurs, l'araignée. D'accord, c'est pour tuer des golems. Bah désolé golem, tu vas mourir. Hein. Et là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si j'active ça, qu'est-ce qui se passe? Meurs. Ah, c'est un générateur de cobble qui va créer un pont vers cet endroit et... Allez, sauter dans le vide les magma cream et... D'accord, alors... Et là en face il y a un coffre avec, je l'espère, une étoile du Nether. Allez, sautez dans le vide, allez-y. Ah l'enfoiré! Oh merde.
Ah! J'avais oublié ce détail. Tu réapparais où? Dans la maison. Oh putain, ça a pas marché encore. Bah, je peux pas te TP, hein. Pourtant, j'ai fait au Ouais, moins 5 fois le spawn, mais. je me souviens. Alors là, j'ai peur du knockback qui me fasse tomber dans le vide. Oh là 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 là. Allez, dégagez, 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 dégagez. Attendez, je vais prendre. J'ai bien envie de prendre ma pomme en or, même si c'est ma dernière. Parce que Moi, ça me j'aurais dû la paraît prendre. assez dangereux ici. Est-ce que j'ai pas une potion de résistance au feu? Vitamine C, Medikit, régénération, soin, smite. Ouais, je vais prendre ma potion. Ah, je suis déçu là. Parce que j'ai pas envie de finir dans le feu. Allez, dégagez, dégagez. Ya, voilà, c'est bon, je suis passé. Aïe, 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 aïe. Ah, mourir! Où est-ce qu'il est ce spawner? Malcréant. Fucking spawner! Ah! Ah oui, d'accord, ouais! Allez, un! Bon, attendez, c'est ce qu'on va faire. On va mettre des torches. Ah! Ya! Dégagez! Dégagez-moi de là! Oh, les copains de l'enfer de Néréo! Ah non, mais il y a 6 spawners à Magma Crime, là je me fais un gangbang, je t'explique, hein! Trop Heureusement que j'ai pris une pomme en gênant. or qui me permet de résister à la lave parce qu'il me pousse dans la lave. Ah bah moi c'est ce que j'ai eu en fait. Le zombie m'a poussé directement dans la lave, donc du coup bah Allez, je tombez me dans le suis vide. fait touer. Tombez dans le vide. Allez! Voilà. Allez, mourez, 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 D'accord. mourez, mourez. Attendez, on va essayer un truc. Est-ce que... 1, 2, allez, poussez-vous, poussez-vous, aïe, 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 aïe. Et dégagez-moi de là, mais c'est pas possible ça, combien il y en a? Il y a Ah, plein, plein, plein de mobs. ah. Oui, à chaque fois que j'en tue, il se multiplie alors. Il se divise pour se multiplier. Ah, oh putain, je vais mourir, non? Ah ben je suis mort. Voilà, et tu vas connaître Effectivement. la souffrance. Effectivement. Bon, alors. Redirection donc. Bah ça va me permettre de jeter un peu quelques trucs. Ça. Redirection le Nether. C'est pas grave, c'est pas très loin. T'y es toi? Ouais. Oh! Il y a des cactus! Ah oui, mais tu verras, les cactus, c'est une épreuve en fait. Il y a plein d'épreuves de saut en fait, hein, j'ai remarqué donc. Ah bah alors là. Ça va être assez délicat si tu veux mon avis. C'est bizarre que le checkpoint n'ait pas fonctionné quand même. Alors ici, je sais pas, il y avait du feu. Ah, un briquet! Aïe. Mais d'où ils sortent ces zombies là? Je sais pas. Il voulait faire une petite balade apparemment. Ouais, ben. Bah, c'est quoi Là, ça? je suis dans Shoot the Corn. Shoot the core. Je sais pas. Oui. Help? Non. Ah, je pense savoir c'est Moi quoi. j'arrive dans le Nether. Bah, j'ai shooté dans le truc. Alors, par où c'était maintenant? Par où est-ce que c'était pour retrouver le Ah, chemin? j'ai fait quelque chose. J'entends des feux d'artifice, moi. Ah bon? Ouais. Mais ça doit correspondre à la zone où j'étais, ça, les feux d'artifice. Est-ce que c'est par là? Ah, je vois ton pseudo, donc ça doit pas être bien loin. Ouais, je crois que c'est par là. Donation. Ouais, c'est ça, c'est par là. Tac, tac, Par tac, contre, je tac, le tac. sens mal le truc avec les cactus. Bah, je ne sais pas. Écoute, moi, je vais Bizarrement. retourner là où il y a les magma crimes. Ils ont dû dépop, du coup, depuis. Ah! On peut résister à la lave avec une pomme dorée ou pas? Ouais. Parce que là, en fait, je vais devoir courir dans la lave. Ah bah vas-y, amuse-toi. Moi, il faut que je fasse gaffe à pas être poussé dans la lave et je vais vite aller détruire ces spawners avant que ça spawn. Et évidemment, ça a spawn. Allez! Tu Voilà. rigoles? Je peux pas y aller. Voilà. Attends. Voilà. Et maintenant, on détruit le dernier magma crime. Ah, ça se liquide. Ah, ça Magma crime. s'enlève. Ah non, c'est juste absorption. Moi, ma pomme dorée, elle est pas bonne. Ah, C'est pas une normalement. pomme dorée enchantée, moi. C'est bizarre, normalement, c'est censé te faire résister. Bon. Ah non, j'étais dedans, j'ai brûlé. Alors. Je l'ai vu venir ce piège-là. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va avoir une connerie. Alors là, je sens que je vais brûler.
Bah moi je sens que je vais me faire, je vais avoir une vitre cassée, alors, je vais devoir sauter. Tout ça, même pas pour une étoile du Nether, mais pour une épée en fer, tranchant 8, arthropode 8, châtiment 8, recul 2, solidité 10, aura de feu 2. Je pense que c'est pas mal. Bah c'est mieux que mon épée actuelle en diamant, donc je vais la prendre, même si à mon avis elle va pas durer longtemps. Élixir, bonus de vie. J'ai trouvé une étoile. Du Nether ? Là, ouais. C'est dans quoi donc ? Alors bah c'était shoot... En fait fallait shooter dans une pierre, enfin dans un... Et c'est laquelle? Parce que j'ai même... C'est Shoot the Corn. Shoot the Corn, d'accord, bon. Alors est-ce que... Aïe! Est-ce que voilà. Je peux passer là? Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, donc moi, bah, j'ai fini la machine, là. Je reviens. Je suppose... Non, je pense pas que c'est quand même une épreuve, ici. C'est pas une épreuve pour avoir une étoile, ça m'étonnerait. Je vais mourir. Il reste encore deux à trouver, hein. Ouais, mais je sens que je vais mourir. Aïe. Et s'il vous plaît, pas un zombie, parce que là, je vais rager. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, ça m'a l'air vachement grand, en fait. Il y a tellement de trucs, là. Oh, putain, les spawners. What? Mais ils servent à quoi, les cactus, ici? Ah, voilà. Il y a quelque chose. Et dans il y a quelque le coffre, chose. Une émeraude, des flèches, un steak et un casque. Protection contre les explosifs, 4. Un casque en diamant. Ensuite, par là, qu'est-ce qu'il y a? Ça monte encore. Oh là 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 là. You must have made a mistake. Aïe! Oh putain, ce knockback de fou, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, mistake? Une incompréhension. Ah! Un silverfish? Ouais, ouais, il y en a plein. Bah ouais, mais là, il apparaît au mauvais endroit, là. Ok, ensuite, là. Le Saligo. Tu sais, il a apparu juste devant moi. C'est que ça, pourquoi ça s'ouvre pas? Ah, vous avez une incompréhension. Bah, par rapport à quoi? Ouais, en fait, c'est designé comme une forteresse de l'Inde, ce truc. Là, je suis dans la zone des bibliothèques. Ah, d'accord. Ah non, non, mais me poussez pas là-dedans, hein. Me poussez pas dans le cactus, bande de saligo. Alors, si je monte... Je t'ai vu, le Wither Squelette. Je t'ai vu disparaître aussi. Aïe, ah oui, bah l'épreuve de saut, t'avais rien dedans? Aïe, je l'ai pas faite, l'épreuve de saut. Ah non, c'est pas une épreuve de saut. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est un... Attendez, c'est un spawner qu'il y a là derrière. Eh oui. Oh putain, ils ont caché les spawners derrière les cadres. Ah oui, j'avais plus de plastron. C'est pour ça que je me suis dit, mais merde, pourquoi c'est je meurs? C'est malin. Bon, bah tapis, hein. Évidemment, j'ai pas récupéré la pomme en or. L'étoile du Nether, je te la mets où, Farage? Garde-la sur toi pour l'instant. Bah, c'est parce que ça me fait une place, donc du coup, comme je suis à la maison en fait, vu que je suis mort. Ah, t'es à la maison? Bah, mets-la dans un coffre alors. Qu'est-ce que tu fous à la maison? Bah, je suis mort. Ah bon? Ouais, je me suis fait tuer par des zombies, mais j'ai oublié que j'avais plus de plastron en fait. D'accord. Bon, bah, moi je continue. Alors, mets-la dans un coffre en attendant, on la récupérera. Je la mets dans bloc, c'est tout. Ok. Je mets tout de suite par contre la bannière. La bannière. Ah bah oui, mais là, oui. Voilà, comme ça, c'est fait quoi. Oui, mais là, oui. Ça te libérera de la place comme ça. Okay. Alors. Et donc là, ça j'en ai pas besoin. La soupe de champignons, je m'en fous. Bah, il nous manque celle du boss. Et celle du boss et le palais. Et après, c'est le palais de glace. Le palais de glace qui était aussi dans le Nether apparemment. Bah écoute, moi je continue d'explorer, hein. J'ai pas fini d'explorer toute cette zone. Il faut pas récupérer la boussole par hasard? Tant que j'y suis? Non. T'es sûr? Non, le palais de la boussole c'était juste pour aller sur l'île de glace pour ouvrir le coffre, mais. Ah, attends, là il y a. Me dites pas que c'est ça le boss. Si c'est ça le boss, je crois. Je vais rigoler. Attends. Ah putain d'araignée de merde, dégagé! J'arriverai dans le Nether, tu pourras me TP ou pas? Attends, pour l'instant je sécurise la zone, après on verra. Oui, non, mais le temps que j'arrive, hein, tu sais. Le truc que j'arrive déjà. De toute façon, c'était pas loin de là où t'étais, hein. Une salle où il y avait plein de zombies? Non, il y a pas de zombies chez moi, mais oui, alors il y en a plus. Ah, parce que moi j'ai vu plein de zombies, je me suis fait tuer. Zombies plus araignées. Attends, je sais pas, pour l'instant, je vais déposer les trucs inutiles. Non, mais là en fait, il y a. Tu te souviens le faisceau lumineux dont j'ai parlé en début d'épisode? C'est possible, oui. J'y suis. Je suis là. D'accord. Où il y a ce faisceau lumineux. Ah, donc, oui, c'est fort probable. C'est fort probable que ce que je vois en face de moi soit le boss. Mais,
Je pense que ça va être un boss compliqué si c'est ça, donc faudra que tu viennes voir. Alors, des flèches, des émeraudes, des steaks, une potion de force, une potion de régénération, de rapidité, de poison, de poison, de poison, de poison, de poison, et de résistance au feu. Oh putain, ouais, mais je suis full. Bon, alors de quoi on n'a pas besoin? Allez, un lingot de fer, on peut se permettre de le jeter. Donc là, je suis full les 5 steaks. Il jette les lingots de fer. Attends, mais des potions de force, j'en ai plusieurs. Force, régénération, rapidité, rapidité. Rapidité, on s'en sert jamais vu qu'on a l'amulette, donc autant les jeter, ça libérera de la place. Mais tu pourrais être Sonic. Ouais, ouais, bah c'est pas la peine. Ok, donc je continue mon exploration de la zone, mais visiblement c'est terminé. Ah, tu es pas loin, je vois ton pseudo. Ouais, je suis en dessous. Donc je t'attends, pendant que tu montes, tu pourras découvrir ce magnifique et puissant boss qui va, à mon avis, nous emmerder, putain d'araignée de merde. Oui, si je me fais pas troller par des... Attends. Squelette... Ah, squelette à épée. Attends, je vais aller voir où est le warrior. C'est quoi ce truc? Ah, tu es là. Ouais, mais attends, je suis empoisonné ou c'est quoi? C'est là, voilà. Ah, putain, j'ai... Ah, c'était par ici, non, bah j'y étais en plus par ici. J'ai perdu mes jambières et mes bottes, t'en as pas sur toi par hasard? Des bottes, j'ai ça. Et des jambières? Ouais. Tiens. Moi j'en avais déjà en plus. Alors voilà, le boss. Non, tu rigoles. Bah, il y a le faisceau, hein. Horreur. Mais attends, il y en a pas qu'une alors. De quoi? Mais j'ai cru en voir une autre. De faisceau? Oui. Mais il y a le palais de glace encore ici, hein, je te rappelle. Bah oui, mais c'était une vache aussi. Bon, écoute, on la tue? Bah ouais. Voilà, j'ai récupéré du cuir. Eh ben non. T'as rien récupéré, toi? Il y a du cuir à terre, mais c'est tout, quoi. À moins que ce soit là-haut, mais comment on monte là-haut? Attends, là-bas, il y a une zone, je vais aller voir. C'est peut-être par là. Moi, oh, je sais pas, je suis bête. Alors, attention. On peut pas comme ça. Il y a des escaliers, regarde, tu peux prendre des escaliers et aller voir ce qu'il y a. Attends, hop. C'est bon, je suis passé. Il y a des escaliers. Alors, ah bah tiens, des jambières protection 4, je prends. Parce que ce sont des jambières en diamant, il ne manquera plus que les boîtes en diamant. Oh non, pas encore. 100 dégâts, potion de vision nocturne, pépite d'or, œil d'araignée, c'est bon. Des émeraudes, les os, je pose. Ok, et là c'est une potion de paladin. Ah oui, donc non, c'est pas par là. C'est pas la peine de venir, c'est pas la peine. Ouais, je vois des escaliers aussi. Ouais, mais c'est il faut aller vers les escaliers. Alors, je vais m'autoriser un petit épée stratégique vers Warrior pour éviter de refaire ça et mourir. Oh! Ah, alors là, je. Là je pète tout de suite ça. Boss, Warrior. Attaque! Yo, vermine! Oh! Oh! Ow. Aïe! Je crois qu'il faut pas aller au centre. Si, moi j'y vais, rien à foutre. Tiens, va dans la lave, toi. Alors, comment on le tue? Ah, il faut viser l'intérieur, j'imagine. Ouais, c'est ça, il y a un bouton. Allez, montre-moi ton nez. Oh putain, les blazes. Pomme en or. Ah, je suis mort. C'est bon. Non, c'est pas la bonne pomme en or. Potion de résistance au feu, où elle est? Ouais, c'est l'autre. Moi, j'avais une pomme, mais c'était pas la bonne. Potion de résistance au feu. Ah, merde. Fuck. C'était une potion jetable. Ah. Du coup, j'ai jeté une infinité de potions. Bon, je pense qu'il est temps que moi je prenne mes potions. J'ai jeté un nombre incalculable de potions. Putain de... Pardon. On va rester poli. C'est pour ça que moi j'ai tout gardé. Alors, on va prendre la satiété. Non, mais j'en ai plein à la maison, moi aussi, des potions. Mais celle-là, je savais pas que c'était des splash potions, en fait. Régénération, force. On va la prendre aussi. Mais non! Medikit, non. Je me suis encore fait avoir, c'était une potion jetable. Medikit, bonus de vie. Alors je prends. Voilà, cette fois je me fais pas avoir. Voilà, j'ai le bonus de vie. Il me restera plus qu'une potion de soin et ça. Ah bah dis donc. Alors résistance au feu. Alors comment avoir ce truc? Jetable. Si tu peux en ramener une deuxième de résistance au feu, je veux bien. Hein. Je vais en prendre une jetable, carrément. Ouais, comme ça nous aidera à tous les deux. Quand t'es dans le désert, je te TP. Attends, je suis en train de regarder par rapport à mes. Alors attendant, je vais reculer. On va laisser le boss se reposer. Et les. Il est costaud quand même le saligo. Et les mobs des pop.
Ah, j'ai plus de casque alors. Casque. On va mettre. Ah tiens, si tu peux me ramener des bottes aussi, s'il te plaît. Bah, j'en ai sur moi. D'accord. Bah, je vais quand même en prendre dans le coffre. Parce que si. Vu que t'es à la maison, si tu peux en ramener, c'est pas Ah oui, je suis encore dans la maison là. négligeable. Alors attends, Alors, les bottes. Ah, écoutez. bah les bottes, c'est les exclusives rapidité. Donc, je te donnerai les celles que j'ai sur moi. Bah, peu importe, je veux juste des bottes, ça me fera toujours un peu d'armure, quoi. Alors là, il y a une autre zone qu'on n'a pas visitée, je vais aller là-bas en attendant. Ça doit sûrement amener au palais de glace. Là, il n'y a rien. Ah, c'est la zone des cactus, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de la zone des cactus? Mais des cactus? Il y a juste des cactus? Il n'y a pas de Ouais. coffre, il n'y a rien? Bah non, bah c'est là que tu disais qu'est-ce que ça voulait dire mistake. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc tu as visité cette zone. Et en fait, c'est au-dessus. Au-dessus, tu as une sorte d'épreuve avec un coffre. Il faut que tu marches, à mon avis, et déclencher le coffre. D'accord. Alors attends, Ce je que lis je n'ai vite pas un second. fait. Donc là, c'est Shoot the Cork. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, D'accord, t'avais plein de lave. je vois la zone, d'accord. Tu avais plein de lave et quand tu tirais, en fait, la lave, Elle j'avais s'en pas allait. remarqué, mais s'en allait. D'accord. Donc là, je remonte. Tac, tac, tac. Et il y avait une autre zone. Avec bien sûr la petite Ah, et musique de c'est Zelda. là l'épreuve que tu dis, d'accord. Et donc là, effectivement, si tu tombes, tu tombes sur les cactus. Donc, je vais le faire. On va voir où ça mène. Bon, j'en ai marre, ça sert à rien que j'appuie sur le bouton checkpoint. Il y a effectivement un coffre, et dans le coffre, il y a une épée en diamant, des émeraudes et des fioles d'XP. T'es dans le nether là? Ouais. Alors attends, je vais te TP. Je quitte juste cette zone dangereuse. Par contre, on n'a pas trouvé le palais de glace, c'est plutôt pas bon signe. J'espère que je tape, ça sera pour nous deux quand même. Non, bah oui, si on est à côté. Voilà, je t'ai TP. Ok. Alors attends, on va. Attends, on va l'utiliser. Allons devant Alors lui. attends, attends, les bottes, les bottes, les bottes. Ah oui, merci. Attends. Alors attends. Dégage, toi. Pas peur, moi. Tiens, je te Ah, c'est donne toi qui as des bottes. celle-ci. Ah, des bottes en diams. Ouais, Ouh, moi je mets des autres. je suis full stuff diams. Ah. Alors, c'est. Putain, non, je suis perdu. C'est par là-bas. Tic, 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 tic. Et ensuite, on monte. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-da-da. Mais Warrior, je t'invite à t'arrêter ici, car voici venu le temps d'arrêter Arrêtez l'épisode. l'épisode. Et on vous dit rendez-vous très À très prochainement. Salut, bientôt. salut!